cher monsieur a carburé énormément. Les tempos classiques lèvent là tout le temps, avec des surprises, de l'originalité. C'est de ça que je parle. J'aimerais que vous l'applaudissiez très fort. Parce qu'il a besoin de cette force-là pour continuer à faire le travail qu'il a compris depuis qu'il est rentré ici en Guadeloupe. Et qui, à mon avis, est nécessaire. La preuve, vous êtes tous là ce soir, c'est qu'il y avait quelque chose qui vous manquait peut-être, n'est-ce pas? Oui, eh bien, il est là. Non, mais ne pas convaincre, là. Il manquait quelque chose ou pas? En tout cas, il y en a, même s'il n'y a pas parlé, il y en a. Ça, c'est. Ça vaut déjà pas mal de choses. En plus, ils applaudissent. T'as vu ça, un peu? Oui. Merci, bravo pour ça. Moi, je suis ravie d'être parmi ces messieurs ce soir. Alors, on a parlé de notre enfance, c'était les orchestrales. Dans la même période, j'étais à la chorale à Armand-Sebude et le monsieur qui nous accompagnait au piano, ben, c'était Jean-Michel Mestel. J'avais, je ne sais pas, j'en avais pas le droit, quelque chose comme ça. Donc, nous, on se connaît, voilà, rappel, la petite jeunesse. Nous aussi, on se connaît depuis très très longtemps. Et puis, j'ai connu un petit peu plus tard l'autre monsieur Castri, juste ici, par rapport à son frère. Et je crois qu'on a rattrapé toutes les années qu'on n'a pas. Toutes les années d'enfance, on a bien vécu ensemble. On a déjà bien fait travail. Je suis ravie, je suis contente d'être avec vous ce soir. Et je suis très contente d'être parmi vous également, ici au Yacht Club. J'aimerais que vous fassiez un petit peu de bruit pour Josué au son. Je trouve que le son est particulièrement. Claqueur. On continue. Je me permets un deuxième clin d'œil à Manuel Lapioche. Je sème des petits bouts de Manuel Lapioche un peu partout, et comme ça, quand je reviendrai vous en parler avec plus d'ampleur, vous saurez d'où ça vient.